Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV number one Beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien Bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV number one C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, effectivement. Je suis Albert Fabrice Puella, ministre en charge des droits humains. Le président de la République a décidé en toute souveraineté de nous confier le ministère des droits humains en République démocratique du Congo. C'est à ce titre que lors du tout premier Conseil des ministres, il a insisté en disant qu'il compte beaucoup sur Monsieur le ministre des droits humains parce que ce domaine préoccupe beaucoup la communauté national et international. Le rapport qui a été fait sur les droits humains est très peu reluisant. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de ne pas nous contenter des rapports que nous recevons dans nos bureaux. Je dis non, nous, moi-même et mes collaborateurs. Et nous avons amorcé une série de descentes sur le terrain. Nous avons commencé par la prison centrale de Makala, avant d'aller à la prison militaire de Ndolo. Et depuis vendredi, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour le Congo central. Avec cet ordre de mission de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Sama Lukonde, que nous saluons.
Nous avons commencé pour le Congo central par la prison centrale de Mbanzangungu, la prison de Sonankulu. Nous sommes arrivés à Matadi où nous venons de visiter la prison de Kamulayi. Voilà au fait l'un des objets de notre mission. Mais nous ne sommes pas arrêtés à la visite des prisons. Le droit le plus sacré parmi les droits fondamentaux, c'est le droit à la vie. Au droit à la vie est rattaché celui de bénéficier de funérailles dignes, reconnues à chacun, tant que faire se peut. Matadi a un problème de morgue, de la vétusté et par moments de panne à répétition du courant et la fourniture en électricité. Voilà pourquoi, depuis Kinshasa, nous avons eu à conduire Madame Chantal Kikuma, rencontrer l'actuel ministre des Transports qui est en charge de l'OEBK afin que cette situation de la morgue qui est construite depuis un moment puisse devenir opérationnelle. Voilà dans les grandes lignes sur quoi a tourné notre séjour dans la province du Congo central. Excellence, vous venez de... Je l'ai dit en Kikongo ou en français? En français. Ok. Merci beaucoup. Il est important que nous sachions, et c'est là que je vous attendais, c'est à dessein que je n'ai pas voulu en parler. Cette maison n'appartient pas à un individu. Cette maison est la nôtre. Cette maison, c'est un patrimoine de la République se trouvant dans la province du Congo central. Nul ne peut ou nul ne doit en réclamer l'exclusivité ou la propriété. Étant donné que nous sommes ministres de la République, en arrivant dans une circonscription, il est de coutume que l'on présente les civilités à l'autorité qui est sur place. Mais vous savez que celui qui est devant vous est élu. Il a la grâce de bénéficier de 3 mandats jusque-là. Ce n'est qu'une grâce, je le dis bien. Et aujourd'hui, il est ministre. Vous le savez, les ministres, les membres du gouvernement sont régis par l'obligation de solidarité. Mais aussi par cette objectivité pour aider le chef de l'État, à ce qui nous concerne, à avoir un mandat. Le chef de l'État se bat pour l'instauration d'un État de droit. Le chef de l'État veut mettre le peuple au premier plan. Le chef de l'État veut de l'instauration d'un État de droit, je dois le dire 2 fois, je le dirai même 10 fois. Et il n'y aura pas État de droit sans respect des droits humains, sans respect des décisions judiciaires. Cela a une importance capitale. Sans respect des institutions et des décisions de ces institutions, justement. Je suis arrivé au Congo central. Le chef de l'État refuse la médiocrité. C'est dans ce refus de médiocrité, justement, que tous, chacun dans sa parcelle de responsabilité, nous devons nous battre dans la bonne gouvernance pour changer l'état des choses. J'ai été très choqué. J'ai des larmes aux yeux. Je dois en parler. Hier, j'ai effectué un tour au stade Lumumba parce que le ministre des Sports, c'est mon voisin immédiat au niveau de notre bâtiment. Puisque je suis élu de la ville de Matadi, puisque ce ministre est à nos côtés et que déjà je lui ai parlé, j'ai appris que des travaux avaient commencé au stade Lumumba.
grande est mon amertume d'avoir constaté qu'il n'y a rien, alors rien, qui a été fait en dehors de ce qu'a laissé M. Jacques Mbadou. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour interpeller, pour organiser des marches, pour organiser des sit-ins, pour faire avancer la situation de la province. Je suis passé par Mbanzangungu. J'ai fait quelques pas dans l'entrée de Mwalakinsende. Je suis passé par le stade Kitemoko. Notre province se meurt. Et nous nous posons la question de savoir à quel niveau on est en train d'aider les chefs de l'État pour que demain, parce que 2023, c'est après-demain. En tant que ministre, collaborateur du chef de l'État, cet état de choses est loin de faire plaisir. Cet état de choses mérite le changement. Bien faire et le faire savoir. S'il y a des difficultés, il importe d'en parler pour que nous, au niveau national, nous n'acceptons pas non plus, lorsque nous apprenons que la quotité qui revient à la province, encore qu'il faut le savoir, qu'en son temps, en tant que député national, c'est nous qui nous sommes battus, pour là qui vous parle, pour que la province bénéficie de quelque chose sur le péage et que nos compatriotes ne perdent pas leur emploi. Encore que on a révoqué tous ceux qui travaillaient à la société des péages aussi, justement. Ça s'appelle comment? Sopeco. Au lieu, l'indice de performance de tout gouvernement, national comme provincial, c'est dans la création d'emplois. Au lieu d'en créer lorsqu'on les élimine, ce n'est pas aider le chef de l'État. Lorsque on se permet de ne pas mettre en pratique justement les règles de bonne gouvernance, ce n'est pas aider le chef de l'État. Et c'est là que pour nous, nous estimons, nous aurions voulu trouver toutes les autorités présentes, parce que nous sommes des Bakongo. Lorsqu'on a une préoccupation, on en parle de vive voix. Je suis content, j'ai vu M. Caleb ici, qui a longtemps parlé. Je voudrais bien qu'il nous suive, puisqu'il est porte-parole, il communique pour le compte des personnes qui sont ici. Nous devons savoir que cette province n'appartient pas à quelqu'un. Lorsque tous les problèmes seront résolus, encore que nous attendons la réalisation de ce que le chef de l'État a dit, qu'il faudrait qu'on organise des élections dans les provinces où il y a eu déchéance des autorités provinciales, nous attendons cela de pied ferme. Parce que la première ou les premières autorités déchues, c'était dans cette province du Congo central. La province du Congo central est habituée à exporter des valeurs et non des antivaleurs. Nous voudrions bien croire, et ça, nous l'attendons de pied ferme, que justement, l'état de droit pour lequel nous tous nous sommes battus est une effectivité. Et je ne doute pas de la bonne foi et de la détermination du chef de l'État ainsi que de tous ses collaborateurs pour que les changements, que l'état de droit soit réellement une effectivité. Excellence, puisque vous nous avez autorisé, Excellence Albert Fabrice Puella, quand il était député, il n'a jamais reconnu la légitimité. Je vous ai bien dit que cette maison n'appartient pas à un individu. À ceux qui ont fait le droit, ils ont appris qu'il y a la notion de fonctionnaire de fait. Tout est là, tout est dit. Je vous remercie. Merci. Vous, au centre de âme, son excellence, donc, comme député de la journée, mon honneur sous commissaire, Fatigue Makonde Pierre, à vous de son excellence. Ah, oh, Dieu. Merci.